Il est 7h21 en toute subjectivité avec Étienne Gernel, le directeur du point. Bonjour Étienne. Bonjour Nicolas. Ce matin, Étienne, et je suis preneur pour votre dernière chronique, vous explorez les raisons d'espérer. Oui, le pire est-il certain La liste de nos déconvenus en 2022 est-il est vrai assez longue On pense au niveau mondial, au recul de la démocratie, encore mesuré par The Economist en février dernier, quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On songe aussi au retour de l'inflation, annonciateur. De fin de mois pénible pour des gens, mais aussi pour les États endettés et frappés par la remontée des taux d'intérêt. On pense en France à la montée des extrêmes, à cette majorité introuvable et à la perspective d'une impuissance publique durable. Alors, la déprime, Claude Imbert, fondateur du Point, voyait dans le journal qu'il crée il y a 50 ans une équipe de pensée qui a choisi de ne désespérer de rien. Alors, je m'y colle. Alors, quelles sont donc vos raisons de <laughs> ne pas désespérer Prenons le premier point. La démocratie qui croyait un instant le 26 février, le 24 février dernier, que la petite Ukraine résisterait à la grande Russie. Et si nous fournissons assez de canons à ces soldats de notre liberté, ignorant les réticences de nos extrémistes de droite et de gauche, qui sait si Kiev ne vaincra pas, si la démocratie et la vieille Europe ne retrouveront pas une nouvelle jeunesse L'inflation Lisez Nassim Nicolas Taleb, génial penseur libano-américain, connu pour son livre Le Signe noir sur les événements imprévisibles aux conséquences incalculables, écrit juste avant la crise des subprimes. Taleb, philosophe des catastrophes, assure aujourd'hui que l'inflation n'est que le fruit d'un embouteillage dans les chaînes d'approvisionnement et qu'on peut en venir à bout. Alors poursuivons. La France paralysée, qui sait si notre pays ne pourrait pas apprendre au passage, contraint et forcé, le sens du compromis en politique Ce mmh. serait une nouvelle formidable. Et vous y croyez Ça, à la fois, c'est une autre histoire en revanche, il y a des manières de voir, et puisque je vous ai bassiné, chers auditeurs, durant cette saison avec mes citations, je vide mes carnets et je vous en livre. Allez, trois. Parti. alors, la première, ironiquement, est signée du pape du pessimisme, émile cioran, qui a tout de même cédé à l'optimisme lorsqu'il écrivit ceci, nous sommes tous des farceurs, nous survivons à nos problèmes. la seconde est une formule de bergson qui, constatant qu'il y a, dit-il, jaillissement, effectif de nouveautés imprévisibles nous invite à devenir sublime expression créateur de nous-mêmes et enfin je vous laisse avec ma devise personnelle c'est un proverbe togolais une ode à l'audace que celui qui n'a pas traversé ne se moque pas de celui qui s'est noyé. Ça, c'est sublime. Et la une du point Cette question où est passé le goût de l'effort En tout cas, euh, il en est qu'ils ne l'ont jamais perdu. Si vous me le permettez, puisque c'est ma dernière chronique, je voudrais remercier du fond du cœur toute l'équipe d'Inter et saluer en particulier Juliette acué et Nasser Maggi pour leur intelligence, leur exigence et leur patience. Et merci à vous, Étienne Gernel. Ça a été un bonheur de travailler. Euh, réciproque. Pendant... Voilà, réciproque de travailler pendant un an autour de ce micro. J'attends la publication de votre dictionnaire de, de citations maintenant <laughs> au boulot pendant l'été.